Nounounoukan, un film de Soussaba Cissé, a été projeté mercredi soir dans le cadre de la compétition officielle au Festival du cinéma africain de Hollywood. Ce premier long-métrage de la jeune réalisatrice malienne, tourné presque à la manière d'un documentaire, traite de la crise qui a secoué le nord du Mali à travers la vie et les tribulations d'un déplacé. L'idée générale est venue des rumeurs qui se faisaient pendant la guerre au Mali en fait. Et en fait, on n'avait pas d'informations directes de ce qui se passait vraiment, on n'avait que des échos ou des rumeurs. Donc je m'étais dit qu'il était temps de mettre un truc en scène. C'est des rumeurs qui se disaient par toute la population presque, mais personne ne le disait tout haut. Donc le fait de le mettre dans un film, je pense que les gens vont assumer ce qui se dit en fait en gros. Ce film de Soussaba Cissé, qui n'est autre que la fille du cinéaste Souleymane Cissé, figure parmi 14 films représentant 13 pays en lice pour décrocher le grand prix du festival Ousmane Sembène.